Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode Europa Universalistica. Donc on reprend notre petite partie, là on est en guerre contre l'Autrichien, on est en train de les défoncer. Il y a quand même 75 000 hommes, oui. Ce que je me dis, c'est qu'ils vont me tomber sur le coin de la gueule là. Non, ils sont là-haut. Non, mes vassaux, en fait, je leur donne l'ordre. Je dirais après, ils sont trop faibles, on va plutôt leur donner des ordres défensifs. Il va me libérer ça. Ça occupe tout là. Il est con, il va m'attaquer avec 7000 hommes contre... Ah ouais, ok, il y a le reste de l'armée qui est en train d'arriver. On va baisser un peu la vitesse. Bataille de Vienne. Bam, stack web de 7000 hommes. C'est pas grand chose, 7000 hommes, mais c'est déjà ça. Pas de petit profit. Soixante-dix mille aux Autrichiens. Moi je le veux, le casse-vie national. Là on va prendre trois forteresses à l'Autrichien. Oh, l'Autrichien dit ah, je veux plus me battre, j'en ai plein le cul. Ok. Bon, on s'en branle. Un peu mon neveu qu'on va développer ça. Donc ça veut dire ils sont mes navires de guerre là. Mais j'ai pas assez dessus. Bon, 21% moins 35, moins 35, putain. PTC jeu d'espace quoi. Mais qui me laisse faire l'Autriche et qui s'occupe des autres, cette bande de connards. Oh. Oh, ils prennent cher les Autrichiens. Oh, regardez-moi cette bataille là-bas. Merde. L'Autriche, 68 000 hommes, il a plus de 437 de manpower. Oh, regardez-moi ce combat. 437 de manpower, on va rigoler, je vais commenter. Ah bah hop, le manpower, voilà. Eh, plus la manpower, ah, plus le manpower, l'Autrichien, au revoir le manpower, au revoir le... Wouah, ce viol de hamster, vengeance pour mes deux stack wipe où je me suis fait défoncer comme une merde. Voilà, donc là, l'Autrichien, il a pris cher, il a plus le manpower. Donc la guerre va être tout de suite un petit peu plus tranquille, quoi. Enfin bon, elle était déjà tranquille. Parce que si vous regardez les forces en présence, ouais. Ah là, ils sont, on perd un peu plus d'hommes qu'eux. Qui c'est qu'on a perdu le plus? Ah bah, il y a moi comme un connard avec mes deux stack wipes, là, mes 50 000 hommes à moi tout seul. Donc voilà, là, sur les 50 000 hommes, c'est moi. Enfin, quel débile j'ai fait, 52 000 je crois. Commonwealth, je suis où? 69 000 hommes sur un, en deux combats, quoi. À peu près. Voilà, mes vassaux ils vont s'occuper d'éliminer ce qui traîne là-bas. L'intégration elle avance. Là-bas on les a défoncés. Ça, ils m'ont donné à moi, putain super, bien. Moins 14, 21 et 35, bien ça! En 9, bien! Ça monte, ça monte!
Novgorod, on n'a pas besoin de l'activer. On va activer celui-là non plus. Oh, la Bohème a déclaré la guerre à l'Autriche. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Ottoman, mais bien sûr, tu peux passer. Ouais, 122, aucun problème, c'est jouable ça. En. Ok. On va prendre. Hansel Ottoman Challenge. Bien ça. Là, il va y avoir 3 sièges qui vont tomber d'un coup, ça va être beau. L'Autriche occupe Hanovre, ça c'est moins beau. Oh, ils se retrouvent en guerre contre l'Autriche, putain, c'est superbe. C'est trop beau, c'est trop beau. C'est un massacre, alors que je vous montre pourquoi. L'Autriche en guerre contre plein de monde. C'est moi, je suis en guerre avec, contre ce qui est rouge. Et ça, en guerre contre ce qui est rouge. Donc l'Autriche, voilà, l'Autriche va prendre cher. Ensuite, l'Ottoman. L'Ottoman, je veux plus que tu sois mon rival. Je peux t'enlever en tant que rival, là. Là, je suis en guerre, donc... Le siège de Tourda est terminé. Hambourg va me prendre cette putain de province. Siège de Belle. Ouais, ça on va voir après. Parce que ici, je vais recruter vite fait. Non. Donc là. Un mercenaire. Siège de Belloir est terminé. Ok. Donc ici, on va rusher Lika. Lui, il va se faire Agram. Agram Lincoln. Non, toi tu vas aller là-bas au final. Gram, il y a l'Ottoman qui est déjà dessus. Toi, tu vas aller ici. Ah non, putain. Bon, on va recruter un ailleurs. Mais Riga, ouais, bah attends, Riga. Bon, on va refaire une clim sur toi. Pas qu'on veut te péter la gueule. Hein. Juste qu'on veut pouvoir te déclarer la guerre comme ça, pour le fun, pour le lol. On dit Legends, pour le lol. Oh là là, les Ottomans, ils vont débarquer. Ouais. On va défoncer l'armée qui ne va pas. Ram, bonne nouvelle. Et on va l'envoyer là-bas. Ici, on va recruter un régiment de mercenaires. Bien, qu'on va mettre là-bas au cas où. Je deviens terminé, putain, ça c'est une nouvelle qu'elle en est bien.
Comme on passe, bonne nouvelle, on va aller donc se prendre l'INS. Là, on va aller là-bas. Et y a pas un qui veut venir m'aider là? Non? Super, encore un stack en moins. Ah ben là, c'est beau. Après, il faut voir le côté positif. Hein. Au moins, ça me coûtera pas de thunes. Putain. Je me suis fait épique casser le fion en deux, quoi. Le Portugais, il a 30 000 hommes. Le mec est en train de se branler les couilles plutôt de m'aider. Je devrais... Bonne nouvelle. Tu vas au lieu à Augsbourg. On va à la Tyrol plutôt. Alors voyons. On a sorti Ravensburg. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Réparation 291, je gagne 85. Ravensburg est sorti de la guerre. Bonne nouvelle. C'est le début. Ouais. Ok, donc là, l'armée qui est là, on lui refait un général qui est en mode je me branle les couilles. Lui, il va me défoncer la S. Ringe. Hop, hop, hop. Là on va prendre notre temps, on va passer par là. Non, on va passer, on va... Le test de Lika est terminé. Bonne nouvelle, là ici, lui on le dégage. Voilà, là on va les défoncer, il y a l'Ottoman qui débarque en plus. Bim! Allez hop! Vengeance. Là, on sélectionne, on laisse deux unités d'infanterie. On va les défoncer ce qui traîne à Holstein. Voilà, vengeance aussi. On va re-récupérer Oya. Non. Oui. On va splitter.
lui mettre un leader. Bah, il en a pas. Voilà. Ok. Ici, on split. On met la moitié là-bas. Ici, on met l'autre moitié là. Voilà. Vengeance. La cité de Blogda a été gobée. Ça, on dégage. Ensuite, ici, donne le siège d'Oya. Qui le contrôle? L'attaquant est qui? La Savoie, fait chier. Ah ouais, on va s'occuper de ça. Non, moi. On va sortir, on va éliminer ça. Carnstern est terminé. Ok, ça c'est une nouvelle qui en est bien. On va aller se faire Gorze. Comme ça, on va forcer sa flotte à sortir et se faire péter le fusil sur terre. Ok. On va aller aider le siège et Kassel, on va aller là-bas. Wallmanport, on est bien. Ok, l'armée est arrivée à S. Ouais bah c'est bon, heureusement que je suis resté là. Bataille de Soupe-Tirol, on a gagné, excellente nouvelle. On va rester là. Les paysans de Perm, on s'en fout. Perm. On va improuver les relations. Nogai, on va improuver les relations.50% France, 29% Commonwealth, ouais, nickel, ça c'est bon. Ici il me faut cette putain de province là-bas. Le siège de S qui est terminé. Ok. Cette armée là. On va la ramener, on va se mettre en mode pillage. Oh c'est riche ça, on va piller ça. Oh ça c'est encore plus riche. Il va s'effondrer le. L'Autrichien va s'effondrer. On va aller là-bas. On va piller ses territoires. Ici. La Toscane est en train de prendre. Voilà, la Toscane est en train de prendre grave cher. Il a sorti Turin, non S. Ouais, un peu de thunes, c'est pas grand chose, mais c'est déjà pas mal. Alors là, on va mettre le fort, on va couper l'entretien, on coupe l'entretien, on coupe l'entretien, on coupe l'entretien. Et on va arrêter l'épisode là aussi. Donc voilà, sur ce, les gens, je vous dis donc bye bye, et à demain pour la suite de la série. Allez, ciao tout le monde!